Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR, et bienvenue dans la minute quintée du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du dimanche 20 décembre 2020 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Celui de la veille avait lieu sur ce même hippodrome parisien ce vendredi après-midi. Le prix de Tourcoing a été enlevé par le courageux Sectar. Lors d'une arrivée pas si simple à déchiffrer, Turf Sélection réussit le petit exploit de donner le tiercé dans l'ordre, celui-ci faisant tout de même afficher plus de 227 euros. Du côté du concours de pronos gratuits, Doudou 35 et Amour 85 réalisent une très belle performance en donnant quinte plus dans le désordre, accompagné des bonnes bases. Avantage au premier cité, avec quelques points supplémentaires au compteur, pendant que Massa Yao s'octroie la troisième place du podium. Bravo à tous les trois. Allez, intéressons-nous désormais au magnifique quinté plus du dimanche 20 décembre 2020. C'est un groupe 1, en l'occurrence le critérium des 3 ans, qui a été retenu par les organisateurs. Cette compétition réunira 13 des meilleurs âges de l'Hexagone lors d'une course concourue sur le tracé classique des 2700 mètres de la grande piste de Paris-Vincennes. Avant-coup, les favoris doivent le faire et il faut leur accorder une énorme confiance au papier. El Gaffel, le numéro 13, est un pensionnaire de Philippe Allaire qui est incontestablement le meilleur de sa génération des 3 ans. Ayant manqué sa première tentative dans le critérium des jeunes, il va tenter d'enlever son deuxième groupe 1 après sa victoire dans le prix Albertville. Honnête, le numéro 10, ne cesse de progresser avec le temps. Pensionnaire lui aussi de Philippe Allaire et piloté par Johan Le Bourgeois, s'il répète ses dernières tentatives, il doit théoriquement jouer la victoire finale dans ce lot. Hooker Berry, le numéro 12, est l'atout de Jean-Michel Bazire pour ce critérium des 3 ans. Venant de renouer plaisamment avec le succès, s'il est à portée de fusil des animateurs, il va encore une fois terminer très vite. Hirondelle Cybèle, le numéro 11, est la meilleure femelle 3 ans française actuellement. Associée pour la circonstance à Tony Le Bel Air, Eric Raffin étant retenu sur le favori, elle peut donner chaud au mâle. Hokkaido Giel, le numéro 4, est un cheval estimé par Jean-Luc Dersoir. S'il est décidé et carré d'allure, il peut faire mal. Hellboy d'Alesa, le numéro 6, fait vivre un véritable conte de fées à la famille Grimaud, à Mathieu Mottet de poursuivre l'aventure. Sinon, partant, il venait à y avoir Hatchetman, le numéro 3, atout à l'air restant sur un bon succès, entrerait alors dans notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, bon quintet plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet.